Martin Bon, qui est l'exécutive directeur du Paris Sister Committee ici à San Francisco. Et je l'ai invité parce qu'il y a un très grand événement qui va bientôt se passer le 23 ici à San Francisco, et ça se passera sur la rue Howard, à l'ancienne Villette, à 540 Howard. Donc je pense que ce sera un événement très sensationnel, et je vais le laisser peut-être nous parler un petit peu de la raison de cet événement. Sam Horn, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Plaisir pour moi. Et je voudrais peut-être parler un peu de vous et de vous présenter pour dire, pour savoir qui vous êtes et quel est votre rôle dans toute cette cette organisation. Donc vous représentez Paris Sister Committee, n'est-ce pas? C'est le comité du jumelage, oui. Paris San Francisco. Mm-hmm. Le maire de San Francisco et le maire de Paris, mm-hmm. en novembre 1996, ont signé un accord, oui. un pacte d'amitié et de coopération à la mairie de Paris, oui. Pour établir ce jumelage. Et c'est à ce moment-là que vous avez été nommé? Oui, c'est dirigé par un comité nommé par le maire. Mm-hmm. Et le président honoraire, c'est Mme John Rosecrans. Mm-hmm. Et le maire m'a demandé d'être le directeur général. Le directeur général. Donc, je suis responsable de jour en jour. Des relations? De jour en jour. D'accord. Est-ce que vous faites ça à plein temps? Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est une passion, c'est un projet bénévole. Ah, d'accord. Nous sommes tous bénévoles. D'accord. Donc, c'est bon dans le but d'améliorer les relations entre la France et la Et particulièrement Paris et San Francisco. San Francisco a 16 jumelages. Nous sommes jumelés avec 16 villes, mm-hmm. au monde entier. Et Paris, je crois, c'est le 15e. Okay. Tout récent, c'est Acapulco. Et donc, vous avez plusieurs personnes en charge de chacune de ces villes. Chaque comité comprend les gens qui s'intéressent à cette ville particulière. D'accord. Et vous, la raison pour laquelle vous intéressez à cette ville, c'est parce que vous venez français? Voilà. D'accord. Voilà, je suis francophile. Vous êtes francophile. Est-ce que vous êtes un peu français, cette année? Non, pas du tout. Votre mère, votre père? Mais je suis 100% Amérique. Mes racines remontent au 16e siècle aux Pays-Bas actuellement. Mais ma famille s'est installée aux États-Unis avant la Révolution américaine. D'accord. Vous avez décidé d'organiser ce bal avec le comité, avec le troupe. Le bal. Le ville de Paris et leur service culturel nous a proposé ce bal. C'est une tournée aux États-Unis qui comprend trois villes. Chicago le 19 juin, New York le 21 pour le fête de la musique, et San Francisco le 23. Mais c'est un projet qui a été proposé par le service culturel de la mairie de Paris. Ah, d'accord. Et le rôle de votre comité ici à San Francisco, c'est de continuellement être en relation avec le groupe à Paris et de les accommoder s'ils ont besoin de venir. Exactement. Et depuis 1996, lorsque nous étions établis, nous avons fait plusieurs échanges, mm-hmm. dans le domaine de science, de la culture et d'autres. C'est un comité qui est très actif. Et nous avons fait plusieurs échanges. Nous avons fait un échange de danse entre le Jeune Ballet de France et les élèves de la cour de danse au Ballet de San Francisco, qui s'est produit en mars 1997, je crois, ici au Palace of Fine Arts. Nous venons d'inaugurer un satellite de notre musée de sciences exploratorium à Paris, dans le jardin d'acclimatation au Bois de Boulogne. Et le conseil d'administration d'Exploratorium a levé 6 millions de dollars du secteur privé pour établir un satellite dans le jardin de communication. C'est un musée interactif principalement pour les jeunes. À Paris. Et le maire de Paris a dirigé, a mené une délégation à Paris il y a 6 semaines à peu près pour l'inauguration. Et Jean Tiberi, le maire de Paris, et Catherine Fautman, la ministre de la Culture, et M. Brown et plusieurs autres personnalités étaient là pour l'inauguration. D'accord. Et donc, votre intérêt pour la culture française s'est développé
au cours de ces dernières années, vous nous avez de plus en plus expliqué la culture française. Mes parents m'ont amené à Paris la première fois lorsque j'avais 16 ans. Mmh. Et j'imagine que je vais maintenant à Paris plusieurs fois par an. Mais j'ai commencé à étudier le français à l'âge de 40 ans. Ça fait maintenant 13 ans que j'étudie le français, donc je vous présente mes excuses pour mes fautes. Non, mais c'est pas faute seulement, non, pas du tout. Je trouve que votre français est assez courant. C'est parce que vous avez une bonne relation avec Paris. Mervyn est là et il va animer la soirée. Exactement. Et je vais lui laisser peut-être. Nous comptons sur lui. Je vais lui laisser dire quelques mots sur le bal et ce que les gens devraient peut-être s'attendre à trouver dans ce bal. Can you tell us what people should expect to see at this event? Oui, nous avons 5 DJ de San Francisco et Miami aussi. Et nous avons 3 différentes salles. Oui. La première salle, nous avons. Un DJ qui s'appelle Bérouz et Frankie Boissy du Heavy Rotation tous les jeudis soirs, Tim Poulsen. Et Jerry Bonham du Sponday et Nikita, Attentive Tim Poulsen aussi. Et DJ Anomaly, Smooth Drum and Bass du Miami Beach, Florida. Et moi, DJ Melvin J de Nikita et La Soirée. Musique française, une salle, et les autres salles, c'est musique techno et smooth drum and bass et happy house. D'accord, et le bal se passera où? Les bals, c'est quoi? Le mouvement où on take place where? Ça se passera en plein air, juste à côté le club Mercury, qui se trouve à 540 Howard Street. Ah d'accord, et quand vous dites en plein air, en face du club? C'est juste à côté. À côté du club. Il y a un grand parking qui est juste à côté, et il y a une scène à construire, et les lumières, et les lasers, et tout ça, je crois que ça sera génial. Ah oui, et voilà, c'est sponsorisé par le maire de Paris et de San Francisco. C'est un projet en commun entre le ville de Paris et le ville de San Francisco, les comités de jumelage. Et les frais seront remboursés par les gens qui viendront, c'est ça? Une partie. Mm. Une partie, mais il y a une subvention de la ville de San Francisco et Paris aussi. Ah, super. Mais nous comptons au public pour venir exactement. Et l'entrée de combien, Mervyn? L'entrée c'est 15 dollars, c'est pas cher. De 6h à 2h du matin? Les fêtes commencent à 7h. 7h. Les photos prises à 6h. Ok. Les photos prises à 6h. Ok. Et c'est fini à 12h du matin. 12h du matin. Oui, mais une grande soirée. Oui, ce soir, une grande fête. Vous serez là, c'est sûr? Je serai là, le maire, je serai là. Ah oui, vous allez l'annoncer, c'est là, vous allez l'inaugurer, n'est-ce pas? Vous allez l'annoncer, présenter le bal. Je crois que nous comptons plus sur la musique. Ah d'accord, vous allez danser. On va danser, mais j'imagine que le maire dira quelques mots. D'accord. Ouais, moi, je viendrai filmer. Et donc, ce sera bien couvert par les médias, je suppose. Ouais, on espère. Et peut-être qu'aussi l'exploratorium pourra diffuser le vidéo digital à travers Internet, on ne sait jamais. Mm-hmm. Oui, enfin, on peut toujours leur donner la cassette. Simplement accès à la technologie pour faire passer les vidéos à travers Internet à l'exploratorium. Et je pense que c'est ça ce que vous faites avec eux, non? Vous faites passer des vidéos vers la ville de Paris avec l'exploratorium? Pas encore, mais c'est un projet que nous considérons en ce moment de le faire. D'accord. Avec notre projet l'exploratorium et le musée de la Villette, à Paris, on signe un accord de jumelage aussi. Pour échanger des trucs, tant qu'on espère que nous avons un bel avenir. Oui, on pourra toujours discuter avec monsieur Delacoste de l'exploratorium. Exactement. Bon, je crois qu'on a très très bien présenté la chose. Je pense qu'on invite là tout le monde à venir participer à cette coopération entre la France, les États-Unis et surtout entre Paris et San Francisco. Et je remercie Tom Brown pour ses efforts
amicales, amicaux et bénévoles pour que tout cet événement soit possible. Donc, je suis très très reconnaissante que vous pouvez trouver le temps de faire ce genre de choses pour apporter quelque chose de un peu de culture française à San Francisco, ce qui nous manque beaucoup. Bien que Melvin nous apporte beaucoup de disques français et qu'il organise souvent des soirées françaises ici à San Francisco, je te remercie beaucoup aussi, Melvin, de nous apporter un peu de culture française et aussi de donner de son temps pour que les Français d'ici ne soient pas complètement perdus au milieu de la culture américaine et des autres cultures. Voilà, donc c'était Tom Horn et Melvin Jay qui vont bien sûr mettre beaucoup d'efforts pour que cette soirée soit un très grand succès. Et je vous remercie aussi. Bonsoir.
Au clavier, aux arrangements de scène, my favorite toothbrush. Monsieur Jean Schultes. I guess you all know who Georges Brassens is. You know, in France, Georges Brassens is not the guy who's seated next to God. He is God. So, of course, it's quite natural to me to put one of his songs in this show. But when I said so, my entourage said, oh, no, you can't do that, or you can't do that, because you can't do that, because it is Maxime Le Forestier turf. Actually, you know, Maxime is a very fine singer, good friend of mine, very, very nice singer.
He toured all over the world during almost 3 years with alone with his guitar, the complete Jean Brassens songbook. And to preach the gospel according to George to people who had not really asked for it. He went everywhere. Everywhere. In Australia, for example, the kangaroos call him George. Anyway, this is my own personal version, a bit Caribbean version, of the Jean Brassens Rendezvous. It's the name of the song. I'd like to tell you the way he introduces this song when he sings it. He says, here comes a song I wrote so long ago that I can't even recall the year it was. The only thing I can remember is that it was for Julien Clerc's 30th birthday. You see? So he drew the first blood. Il est venu voir le spectacle, et, évidemment. Mais quand il est arrivé à la porte de la loge, il m'a dit, bah, tu vois que quand tu veux, tu peux être drôle. Alors, il y a longtemps, au début comme ça, vers j'avais beaucoup d'imagination. I had a pretty good idea for the backup singers to sing the chorus after me. I used to whistle like this. Good idea, huh? Well, bon, alors. But it worked for the backup singers, it worked well.
I hope with you it will work, especially here. It's called the California.